Bonjour à tous. Alors, cette vidéo est mon témoignage du dimanche matin. Un petit peu corrosif, mais c'est mon témoignage juridique. Donc, je vais commencer par une prière. Entrez, mon Père Céleste, ô Père Céleste. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as accordées à moi et aux personnes que j'aime. Personne. Soucis aussi qui ne m'aiment pas. Je te prie de les aider, de les amener à la connaissance de tous les mystères que tu as enseignés à notre tribu qui détient un rôle juridique difficile à vivre pour les autres, pourtant nécessaire. D'autres choses sont nécessaires à ce statut juridique. Notamment la grande prêtrise que je respecte énormément. Père, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour témoigner aux gens la vérité derrière ce qui s'est passé, l'histoire qui s'est produite. Et je te remercie en tout cas d'être cru par les gens qui ont gardé la foi et de la charité, et je te laisse mon Jésus-Christ. Bon, alors si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour témoigner sur ma fonction juridique que je détiens dans l'église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours. Les Mormons ne sont pas patriotes. Sur le dos que je ne cautionne pas spécialement, et concernant le mariage gay par exemple, c'est clair qu'ils sont contre. Alors qu'ils soient contre, je crois que c'est un avis personnel et politique, ça n'a rien à faire dans une église. Qu'ils ne le produisent pas dans leur église, c'est un choix personnel de la présidence. Par contre, le patriotisme, c'est obligatoire. C'est la Torah, c'est la loi. Parce que justement, la loi est partie en faveur du mariage gay. C'est à cause de ça que les États comme les États-Unis, la France ont développé un sentiment patriotique parce qu'ils ont été attaqués, mais ils n'étaient pas vraiment responsables parce que c'était la loi, c'était la Torah. Obligatoire. C'est pas une situation provisoire. Donc c'est rédhibitoire. Dire, là j'en suis à demander à utiliser la prêtrise d'Aaron. Parce que je n'utilise pas. Ou alors passer à la prêtrise de Melchizedek. Mais comme je n'utilise pas la prêtrise d'Aaron, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que je connais un seul de leurs gays. La chasteté, je la vis tous les jours. Une activité chaste. Écoutez, j'ai trouvé ça chez beaucoup de gays. Pas aller là. La Sainte Seine, si on n'utilise pas sa prêtrise, elle n'est pas très utile. On veut servir le Seigneur. Donc c'est pas un marché, je fais pas du diable. Si je ne peux utiliser prêtrise d'Aaron, ni prêtrise de Melchizedek, je demande la main d'une femme qui veut m'épouser. Paraît-il que je serai déjà marié, alors je vais vous présenter ma femme. Voilà ma femme. Parce que si j'épouse pas la femme que je leur ai demandée, Barbara va se marier.
Ça, je suis pas d'accord. Elle va épouser quelqu'un d'autre. Et je suis pas d'accord. Ils disent que je suis déjà marié, donc voilà, je suis déjà marié. Et donc, en fait, ce qui me dérange, c'est que prêtrise d'Aaron égale pardon des péchés, même les péchés les plus. Enfin, en gros, ce qui me dérange, c'est qu'on attaque le pays pour le mariage gay. Clairement, moi j'étais du côté de Barack Obama pour sa politique au Proche-Orient. Par contre, Romney m'intéressait aussi à l'époque pour la religion Saint des Derniers Jours, plus que ce soit une secte aux États-Unis. Donc j'étais partagé, mais je suis pas américain. Mon père est new-yorkais, je suis pas américain. Par contre, pour Romney Trump, j'étais pour Trump. Hein. Franchement, tout le monde a voté Trump, c'était bien. Il ne s'agissait pas d'un plan à la Maison Blanche, ça n'avait rien à voir. C'est obligatoire, c'était pas ça. La situation n'était pas provisoire. Leur position politique n'a rien à voir avec ceux de la tribu de Judas, en tout cas. Parce que je suis de la tribu de Judas, mais je suis le seul de la tribu de Judas. Mon rôle est d'exécuter les fonctions sacerdotales, enfin juridiques, et le rôle de la prêtrise de Melchizedek est d'exécuter les fonctions sacerdotales. Et ça, c'est ma femme. Il n'y a pas d'autre femme. Oui, il y a un homme. Il y a un homme. Écoutez, oui, je l'ai épousé. Je l'ai épousé. C'est leur gay. Je l'ai connu dans leur église, par leur biais, avec le livre de Mormon. Et on a respecté la chasteté. Et on en est toujours à la chasteté, c'est-à-dire qu'on ne cohabite pas sexuellement. On ne cohabite pas sexuellement. La chasteté n'interdit pas les baisers sur les lèvres. Mais c'est une stimulation. À mes risques et périls. Mais la cohabitation sexuelle ne se fait pas. S'enflammer. C'est ce que j'essaie d'apprendre à ce prêtre de Melchizedek, justement. Ne pas s'enflammer. Donc, du coup, tout est bloqué, mais bon, il me faut des droits. Il me faut des droits. Droits. En grec, c'est homon. Loi en hébreu, c'est Torah. Là, ça n'a rien à voir. Bon, là, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une situation provisoire. Je veux dire, avec ça, même le Dieu d'amour serait jaloux. Parce que si on attaque même des gays, bon, les gays, c'est des escargots, de toute façon. Puis je suis à la banque du sperme, ça n'empêche pas d'avoir une progéniture. Attention, si le lion n'est pas content, les lions sont non plus ne seront pas contents. Parce que Judas, c'est un dieu. On est là pour lever Judas. Moi aussi, je suis là pour lever Judas, je suis baptisé. Et donc, bah, résultat, ce qu'il advient de ça, c'est que. Jésus, il est jaloux. Parce qu'en cas d'attaque, homophobie ou non, ça va. Attaque! On est autorisé à prendre plusieurs épouses. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ qui nous a mariés avec ces femmes. Ce sont les autres églises. Mais cet homme, écoutez, il était dans l'église. Écoutez, cet homme. Inaimé. Et l'amour de son prochain, c'est pas de le laisser tout seul dériver. Donc il a fallu garder le droit juridique officiel, légal et légitime, parce que c'est officiel. C'est pas de la soumission à ses magistrats, c'est pas de la soumission au gouverneur, à ses lois. C'est pas soumission, hein, attention, le mot soumission en arabe c'est islam. Même si le Coran n'est pas vu par les saints des derniers jours comme étant un livre prophétique, mais comme un livre inspiré de Dieu, attention. L'esprit se présente dans toutes les nations du monde. Alors il faut rappeler l'évangile aux missionnaires. C'est mon rôle dans la tribu de Judas de rappeler l'évangile aux missionnaires. De même que l'article 88 des Apprentissages. Étudier les langues, les religions, l'histoire, les conflits des peuples de la terre. C'est utile.
Ça aussi, il faut le rappeler. Je veux dire, c'est pas de l'extrémisme, parce que je dis, mais non, non, c'est pas patriote, tout simplement. En tout cas, Marine a salué la victoire de Trump. Marine n'a pas participé à la manif pour tous. Alors que nous, dans l'Église, on nous disait de nous présenter à ces manifestations-là, de voter en fonction de ceux qui s'opposent au mariage gay. Il n'y avait qu'un seul parti qui faisait ça, c'était les Républicains. Et les Républicains, bah, ils ont attaqué la France, d'abord. Donc, juste pour dire, conclusion, vous n'êtes pas patriote. C'est un des derniers jours. Et vous ne savez pas occuper.